Maintenant que vous avez regardé la vidéo sur les tickets de catégorie, voyons comment on va pouvoir les appliquer sur les tickets pendant qu'on travaille. Donc, il y a quatre façons d'appliquer une ticket de catégorie sur un ticket de façon automatique. Le premier, c'est le paramétrage système par défaut, donc la catégorie par défaut. Après, vous pouvez aussi avoir une catégorie personnelle par défaut juste pour vous. On va pouvoir aussi utiliser les formes templates pour appliquer une catégorie. Et enfin, les workflows. Donc, d'abord, les réglages système par défaut. Donc, quand vous allez dans Admin, Service Desk, Ticket de catégorie, vous voyez qu'ici, on a la colonne défaut qui vous montre quelle est la catégorie utilisée par défaut pour tout le système. Donc, si vous vouliez changer, il suffirait d'aller sur une autre et de faire Set as Default. Ça va devenir la nouvelle catégorie par défaut. Après, si vous êtes, par exemple, imaginons comptable et que vous voulez toujours voir les tickets avec une catégorie spécifique, vous pouvez aller dans votre profil en cliquant sur votre nom en haut à droite. Et vous avez maintenant un nouveau menu qui vous permet d'avoir des options sur les tickets de catégorie. Donc vous pouvez choisir d'utiliser le système default, comme le standard, ou d'en utiliser toujours un autre, par exemple facturation. Et vous pouvez aussi demander à choisir celui que vous voulez. Donc par exemple, je pourrais choisir entre ces deux-là. Et du coup, quand je vais créer un nouveau ticket, je vais avoir une petite fenêtre supplémentaire qui va me permettre de choisir entre ces deux catégories favorites. Donc vous voyez, si je fais nouveau ticket, voilà. Maintenant, j'ai ce choix où je peux prendre soit une facturation, soit un nouvel utilisateur. En un clic, je vais avoir cette catégorie sélectionnée. Ou sinon, je peux aussi effectivement choisir dans la liste complète des tickets de catégorie. Tac, voilà, et là, je reviens sur le nouvel utilisateur. Une des fonctions, façons les plus simples de créer un ticket, c'est d'utiliser les speed codes ou les formes templates. Donc, sachez que vous pouvez également spécifier la catégorie dans un form template. Donc, si vous allez dans un form template, je vais prendre un problème serveur par exemple. Donc, vous allez pouvoir ici choisir quelle est la catégorie pour ce speed code. Donc, quand vous allez choisir ce speed code, automatiquement la catégorie en question va s'appliquer. Donc, là par exemple, si je mets le modèle catégorie alerte. Quand je vais venir aller créer un ticket, hop, on va faire un skip et choisir le problème serveur. Automatiquement, ma catégorie a basculé sur celle que j'ai mis dans le speed code. Donc, les speed codes, c'est un excellent moyen de remplir très facilement les tickets et d'appliquer tout en un seul clic la catégorie également. Sachez qu'on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, dans une ticket de catégorie, définir quels sont les speed codes qui sont disponibles. Donc, quand vous êtes dans une catégorie, vous pouvez en bas ici choisir les Available Form Template. Donc là, vous pouvez personnaliser ceux qui sont disponibles. Donc, par exemple, n'en mettre qu'un certain nombre. Et si je teste, voyez que maintenant je n'ai plus que ce que j'ai choisi. Enfin, on peut appliquer une catégorie automatiquement avec un workflow, donc une règle de processus. Donc on va dans Admin Workflow Rules et vous pouvez changer de catégorisation en fonction de n'importe quel critère. Donc par exemple, ça peut être pour si vous avez une file d'attente spécifique. Donc je pourrais dire si le ticket est passé dans telle file d'attente. Hop, change to. Peut-être par exemple effectivement une alerte ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, je pourrais dire, eh ben, on va venir appliquer
une catégorie spécifique. Donc ça veut dire que je peux automatiser le changement de catégorie en fonction d'un changement de fil par exemple. Ou vous pourriez aussi très bien dire si j'ai clôturé un ticket, donc si le statut passe à complete, j'applique une vue qui est facturation, donc qui va être plutôt adaptée à un autre cycle dans le ticket. Donc vous pouvez très bien faire évoluer la catégorie en fonction du cycle du ticket. Peut-être avoir quelque chose en dispatch, quelque chose pour le traitement et après quelque chose pour la facturation, par exemple. Ensuite, il y a une dernière possibilité pour appliquer des formes template qui est dans les droits de sécurité. Donc, si vous allez dans l'admin ressources et les security levels, hein, donc les rôles de chacun, vous pouvez maintenant ici spécifier dans le security levels éventuellement les contrats qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, vous pouvez forcer une catégorie spécialement. Donc là, vous pouvez choisir ici, c'est dans la partie service desk. Hein. Vous pouvez faire render all ticket as ticket catégorie. Donc ça vous permet de forcer un utilisateur sur une catégorie spécifique, par exemple facturation ou sous-traitant. Donc si par exemple vous avez un sous-traitant auquel vous donnez accès à votre autotask, vous pourrez très bien lui créer une catégorie spécifique où vous n'allez n'afficher que les champs qu'il est censé voir et pas les autres. Ou si quelqu'un a une fonction peut-être commerciale ou qui s'occupe de la comptabilité, vous pouvez très bien leur appliquer tout le temps le même masque de catégorie, comme ça ils vont toujours voir les tickets de la même façon. Voilà, c'était les différentes façons d'appliquer des tickets de catégorie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.